4 and verse number 19. Ce soir, je prends le texte de Matthieu, chapitre 4, verset 19. Where Jesus said, où Jésus a dit, follow me, suivez-moi, and I will make you, et je vous ferai, fishers of men, pêcheurs d'hommes. With me together, everybody, follow me, suivez-moi, and I will make you, et je vous ferai, fishers of men, pêcheurs d'hommes. One more time, follow me, suivez-moi, and I will make you, et je vous ferai, fishers of men, pêcheurs d'hommes. One more time, follow me, suivez-moi, and I will make you, et je vous ferai, fishers of men, pêcheurs d'hommes. He didn't say make you prophets. Il n'a pas dit je vais vous faire des prophètes. He didn't say make you an apostle. Il n'a pas dit vous serez un apôtre. He said he'd make you a fisherman. Il a dit vous serez un pêcheur d'hommes. A lot of people like to be prophets. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être comme un prophète. A lot of people like to be apostles. Et beaucoup de gens aimeraient être un apôtre. But Jesus said. Mais Jésus a dit. He'd make you a fisherman. Il va te faire un pêcheur d'hommes. Hallelujah. If you pretend to be a prophet. Si vous prétendez que vous êtes prophète, and you pretend to be an apostle, et ou apôtre, and you don't fish for men, mais vous n'êtes pas en train de pêcher pour les hommes, you are not a prophet, alors vous n'êtes pas un prophète, vous n'êtes pas un apôtre, you're just fooling yourself. Et vous êtes là, vous vous trompez. Everybody say, hey, hallelujah, hallelujah, let's pray, amen. Alors prions. Jesus, we thank you for the word of God, we thank you for your blessings in our lives. But thank you for everything that you've already done in this service tonight. Thank you for the offerings. Thank you for everybody that's come, God. We thank you for that in Jesus' name. In Jesus' name, we thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Turn to someone and say, follow Jesus. Tournez vers quelqu'un et suivez Jésus. Amen. Suivez Jésus. Amen. You may be seated. We want to thank God for all the preachers that are here tonight. Je remercie le Seigneur pour tous les prédicateurs qui sont parmi nous. If you're a preacher and you're here tonight, would you please stand up? Que tous les prédicateurs se mettent debout. All the preachers stand up. Tous les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs. Amen. Stand up. Amen. Mettez-vous debout. We thank God for each and every one of you. Merci pour chacun de vous. Merci le Seigneur pour. Thank God for each and every one from Dominica. Hello, from Saint Louis, Dominican Republic and Haiti, we thank God for all of you. Nous remercions le Seigneur pour vous tous. And Curaçao as well. Et Curaçao qui est là aussi. Amen. We thank God for all of you. And Guyana aussi. La Guyane aussi. Brother Jesus, stand up for you. Brother Jesus. Amen. And he's from French Guyana. Il est de Guyane. Amen. You may be seated. Alors, c'est... Follow was the theme of the General Conference of the United Pentecostal Church this last month. Alors, ce dernier mois, la conférence générale de l'Église Pentecôte est unie à une ce thème, suis-moi. Follow. Suis. In this time that we're living in, everybody wants to be leader. Et dans nos jours, c'est que tout le monde aime être leader. And everybody wants everybody to follow them. Tout le monde veut avoir les suivants. Everybody wants to be taught about leadership. Et tout le monde veut être dans la direction. Amen. But Jesus didn't say, follow me and I'll make you a leader. Jésus n'a pas dit, suis-moi, je vous ferai un leader. Jesus wanted to make leaders. Jésus a voulu les leaders. Well, when Jesus wanted to make leaders, mais quand Jésus a voulu former un leader, he knew he had to make them followers. Il savait qu'il avait besoin d'être un suivant de Dieu. Amen. He knows that if you're going to ever lead anybody, il sait que si il a besoin de quelqu'un, you got to learn how to follow. Alors, si vous servez quelqu'un, il faut apprendre à suivre. Amen. Follow me as I follow Christ, Paul said. Paul a dit, suis-moi comme je suis Christ.
Jesus was very interested in developing leaders. Jésus était très intéressé dans le développement des leaders. But he didn't tell them to read books. Mais il n'a pas dit qu'ils lisaient. And I thank God for all the books. Et je remercie le Seigneur pour tous les livres. But he told them, stay close to me. Mais il a dit, restez près de moi. Stay close to me. Restez à côté de moi. If you'll stay close to me. Et si vous resterez à côté de moi. And then I'll teach you how to be a Christian. Moi, je vais vous apprendre à faire éducation. Some of the very first words that Jesus spoke to people. Parmi les premiers mots que Jésus a dit à quelques-uns, he would walk up to them. Il allait vers ces personnes. He would say, "Follow me." Et il dirait, suis-moi. He said that to Matthew, who was busy collecting money. Il a dit à Matthieu qui était en train de collecter de l'argent. In Matthew chapter 8, verse number 22. He said, "Follow me." Il a dit, suis-moi. And the man said, "Let me bury my dead." Il y avait un homme qui a dit, mais laisse-moi enterrer mes morts. And Jesus said, et Jésus a dit, let the dead bury the dead. Que le mort enterre les morts. But you follow me. Toi, suis-moi. You see, following Jesus is more important than a lot of things in this world. Vous voyez, suivre Jésus a beaucoup d'importance que beaucoup de choses. When he first saw Peter in Mark, Matthew chapter 4, lorsqu'il a vu Pierre en Marc chapitre 4, things were not going real good for Matthew. Alors les choses n'allaient pas très bien pour lui. Or for Peter. Pour Pierre. The Bible says he was repairing his nets. Il était là en train de faire une réparation des filets. That means his nets were broken. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes avec les filets. He was still washing his nets. Alors il était là, laver les filets. And in Mark, Luke chapter 5, it says he fished all night. Et en Luke chapitre 5, nous lisons qu'il a pêché toute la nuit. And he didn't even catch one fish. Et il n'a rien pris. Sometimes we're not doing so good for Peter. Alors les choses n'allaient pas très bien pour Pierre. It seems like God enjoys calling people. Il me semble que Dieu aime appeler les gens. When things aren't going so good for them. Les choses ne vont pas très bien. If you're here tonight, si vous êtes ici ce soir, you have many problems. Et vous avez beaucoup de problèmes. If you will listen. Si vous écouterez, I think Jesus will call you. Je pense que le Seigneur va vous appeler. I think you'll say, follow me. Je pense qu'il va dire, suis-moi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He will take you from your problems. He will take you from your problems. Il va vous enlever de vos problèmes. And when you get close to him, et lorsque vous êtes près de lui, all of your problems will take a different shape and a different size. Alors vous allez voir vos problèmes autrement. Because the closer you get to Jesus, parce que le plus près qu'on marche sur Jésus, the smaller your problems seem. Le plus petit sont les problèmes. Hallelujah, hallelujah. Amen. Follow me. Suis-moi. And I'll make you fishers of them. Et je vous ferai pêcheur d'hommes. The man was, Matthew was a businessman. Matthew chapter 9. Matthew était un homme d'affaires. He was a businessman. He was able to get money. Il avait de l'argent. Jesus walked to his desk. Jésus est allé vers son bureau. A lot of introduction. Alors il n'a pas dit grand chose avant. He said, follow me. Il a dit, suis-moi. And Matthew stood up. Et Matthew s'est mis debout. And he began to follow Jesus. Et il a commencé à suivre Jésus. He left his money. Il a laissé l'argent. He left his job. Il a laissé son travail. And he followed Jesus. Et il a suivi Jésus. He realized that following Jesus. Il a réalisé que le suivre Jésus. Was more important than money. Était plus important que son argent. It was more important than his work. Plus important que son travail. It was more important than his boyfriend. Plus important que son ami. It was more important than his girlfriend. Plus important que sa copine. It was more important than anything else. Plus important que toute autre chose. Following Jesus. Hallelujah. Amen. I think there are many other people that Jesus walked up to and said, follow me. Je pense qu'il y avait beaucoup d'autres personnes à laquelle Jésus a dit, suis-moi. And I'm sure that some of those people did not follow Jesus. Et je suis sûr qu'il y avait quelques-uns qui ne l'ont pas fait. Oh, but those that followed Jesus. Mais ceux qui ont suivi le Seigneur. Those that followed Jesus. Ceux qui ont suivi Jésus. They did not regret it, hallelujah. Alors, ils n'avaient pas de regret après. I mean, they found who, what they were looking for. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Amen. You see, Jesus called Peter from making a living. Jésus a appelé Pierre de laisser son travail. To making a life. Afin de gagner une vie. He called him for a living. Alors il lui a appelé de laisser une carrière. To a life. Et d'avoir une vie. If Peter, he could have stayed with his fish. Alors Pierre, il aurait pu rester avec les poissons.
But God had much more for him. Et Dieu avait d'autres choses pour lui. He had a whole lot more for him. Beaucoup plus de choses pour lui. I want to tell you this, many people. Alors, j'aimerais vous dire tout le monde. That God is calling you to deeper things. Que Dieu vous appelle. And then if you will follow Jesus. Si vous suivez le Seigneur. And then you will find out that your life will be better. Vous allez voir que vous aurez une meilleure vie. Amen. Can you say hallelujah? Alors, disons hallelujah. Do you remember the first time that God spoke to you? Est-ce que vous pouvez se souvenir de la première fois que Dieu vous a parlé? Do you remember the first Bible verse you ever learned? Vous souvenez le premier verset biblique que vous avez mémorisé? Would you raise your hand if you can remember? Alors, si vous gardez un souvenir de ces choses, levez la main. Laissez-nous voir. I remember mine. Alors moi, je me souviens. My mother had 6 children. Ma mère avait 6 enfants. I was the oldest. J'étais le plus grand. Ma and my dad, my mother was married at 17. Ma mère n'avait que 17 ans lorsque se mariait avec mon père. And my dad had, what was he, 23. Mon père avait 23 ans. Amen. And they had a, my dad was Indian, American Indian. Mon père était une Amérindienne. And my mother was a beautiful blonde lady from the city. Et ma mère était une blonde qui venait de la ville. And my father was a man that was raised on the reservation. Et mon père était littéralement élevé sur une réservation indienne. A reserve home, amen. And that was considered a mixed marriage. Et ils ont considéré dans la ville que c'était un mariage mixte. Amen. But my father's people. Le peuple de mon père. Didn't want my father marrying white trash. Il ne voulait pas que se marie avec un blanc. And my mother's people. Et le peuple de ma mère. Didn't want her marrying a wild Indian. Ne voulait pas que se marie avec un peau rouge. Sauvage. Amen. Sauvage, quand même. But, you know, God knows what he's doing, I guess. Amen. We don't know. And so my mom and dad decided to go to Alaska. Alors ma mère et mon père avaient le projet d'aller à Alaska. It was the last frontier of America. Alors c'était la dernière frontière de l'Amérique. Where you could still go and claim land for your own. Où on pouvait aller et simplement prendre une terre pour la gloire. You could homestead. You could take gold from the river. On pouvait lever de l'or des rivières. And my father was a gold miner. Et mon père savait comment faire ça. Il avait fait ça en Alaska. And he was going back with his bride. Alors il retournait là avec son épouse. And she was 17. Et elle avait 17 ans. And my dad was 23. Et mon père avait 23 ans. And they ran out of money when they got to the west coast of America. Alors lorsqu'ils ont arrivé sur le côté ouest de l'État de Washington, ils n'avaient plus d'argent. There I was born. Et c'est là que j'étais né. My mother was 18. Ma mère avait 18 ans en ce moment-là. And my dad was 24. Mon père avait 24 ans. And my mother was dying. Et ma mère est morte. And she met my dad's promise. Et elle a fait une promesse, mon père. That she could see her mother one last time. Elle pouvait revoir sa mère une dernière fois. And give her son, me. Et après qu'elle passe son fils à sa mère. Amen. There, dad made a little bed in the car. Alors mon père a fait comme un petit lit dans le voiture. And he drove 3 days and 3 nights et without sleeping. Il a conduit. Il a conduit 3 jours et 3 nuits sans dormir. And he made it all the way back to Wisconsin. Et finalement, arrivé dans l'État de Wisconsin. And mom didn't die after all. Et puis ma mère est pas morte. She had 5 more kids. Elle a eu 5 enfants après ça. But we got back to Wisconsin. Mais on était encore à Wisconsin. Oh, we never made it to Alaska. Et on n'est jamais arrivé à Alaska. One day I had a friend. Un jour, j'avais un ami. And he invited me to go to vacation Bible school. Et il m'a invité d'aller à une école de vacances pour les enfants. I think it's wonderful to work with children. Je pense que c'est merveilleux de travailler avec les enfants. You know, a lot of children in our villages and cities don't go to Sunday school. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école le dimanche. I was told that in the island of Grenada. J'étais dit l'île de la Grenade. 74% of the children
74% des enfants do not have any church that they call their own. N'ont pas une église. There is a great harvest that can be had in our Sunday school. Alors, je vois que vous avez une grande moisson avec les enfants dans la église. The drug guys want them. Alors, les drogués, ils vous, les enfants. They'll give them marijuana, they'll sell them marijuana. Alors, ils sont bien disposés de les vendre le marijuana. How about us? What are we doing? Et nous, qu'est-ce que nous faisons? And so, I went to the Vacation Bible School. Alors, je suis allé à cette école pour les enfants. It was a Salvation Army. C'était l'armée de salut. For 2 weeks. Je suis allé durant 2 semaines. My mother would have been happy if we went for 2 months. Alors, pour ma mère, j'aurais trouvé pour 2 mois. Get rid of the kids. Just go, go. Oh, les enfants. Qui de maison? Towards the end of the Vacation Bible School. Et à la fin de ces 2 semaines. My mother asked me. Ma mère m'a demandé. She said, did they give you a Bible study verse to read? Est-ce qu'ils ont donné une verset biblique qu'on doit lire? I said, yes. Et j'ai dit, oui. But it doesn't seem that it can be in the Bible. Mais je doute que c'est vraiment dans la Bible. I was only about maybe 8. Peut-être j'avais 8 ans. And it just doesn't make sense, Mom. It just can't be in the Bible. J'ai dit, ça ne peut pas être dans la Bible parce que ça ne fait aucun sens. And I thought the Bible, I didn't know much about it, but I thought it had to make sense. Et je ne connaissais pas la Bible, mais je supposais que doit faire un sens, quelconque. Can you say amen to that? And so she said, well, where is it? Et elle a dit, OK, quel verset c'est où? And I reached my hand in the pocket. Et moi, je mis ma main dans la poche. And I took out a little piece of paper. Et j'ai pris un bout de papier. And she says, what does it say? Et elle a dit, bon, lise-la. It says, ça dit, follow me. Suivez-moi. And I will make you. Et je vous ferai pêcheurs of men. Pêcheurs d'hommes. Praise the Lord. Hallelujah. My very first Bible verse. Ça, c'est le premier verset biblique que j'ai jamais reçu. I said, Mom, it can't be in the Bible. Quand j'ai dit, Maman, c'est impossible que ça soit biblique. I said, nobody around here fishes for men. J'ai jamais vu quelqu'un qui pêche pour des hommes. How can this be in the Bible? Comment ça peut être dans les Écritures? I was worried about it. Et ça m'inquiétait. And my mother said, et ma mère m'a dit, you'll understand. One day. Those are true words. And I will make you fishers. Perhaps tonight, I understand what that verse means. Je comprends bien le verset. It's become the verse of my life. Et ça, c'est le verset de ma vie. It's what God was trying to tell me, but I couldn't understand. Ce que Dieu voulait me dire que je ne pouvais pas encore comprendre. Follow me. Que j'allais le suivre. And I will make you. Et il allait me faire. Fishers of men. Et pêcheurs d'hommes. Can you say praise the Lord? Hallelujah. 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 I believe there's many people that God wants to give that verse to. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu aimerait lui donner ce même verset. It might not be your first Bible verse. Peut-être ce n'est pas le premier verset biblique pour vous. But God has a mission for you. Mais Dieu peut vous dire cela. God has a plan for you. Dieu a un plan pour vous. God has a desire for you. Dieu a un désir pour vous. Amen. I want to tell you there's a lot of people that are really hungry for God. Il y a beaucoup de gens qui ont faim pour l'évangile. That they don't know who Jesus is. Ils ne connaissent pas le Seigneur. I was that way. J'étais comme ça. My family didn't go to any church. Ma famille n'allait jamais à une église. Mom, no. And dad, no. Ma mère, non. Mon père, non. Amen. We didn't go to church. On n'allait pas à l'église. We would probably want it. Somebody would ask us. Mais si quelqu'un allait imiter. But nobody was asking us. Mais il n'y avait personne qui est venu pour nous inviter d'aller à l'église. One day when I was about 11, un jour, quand j'avais peut-être 10 ans, they were asking the children of the school what religion they were. Ils demandaient les enfants dans ma classe leur religion. I didn't have it. Mais moi, je n'avais pas de religion. So I went back home and I said, Mom, I'm getting embarrassed. What is our religion? J'ai dit, Maman, c'est rougissant. Dis-moi, quelle est notre religion? She said, well, you're Pentecostal. Elle dit, tu es pas baptiste. So I'm glad to know that. I'm Pentecostal. Je suis pas baptiste, non.
I didn't ask what it was. J'ai pas demandé qu'est-ce que c'est. I knew it wasn't cat. Je savais que c'était pas catholique. And there was a young boy whose dad came to start a church in our town. Et puis il y avait un jeune garçon et son père est venu à notre ville pour commencer une église. We were kind of friends. Alors, nous étions plus ou moins amis. We were on the bus together. Alors, on était ensemble sur le bus. He says, "What's your religion?" Et il m'a dit, c'est quoi ta religion? I forgot it. J'ai oublié le mot. He said, "Well, what letter does this start with?" Il dit, ça commence avec quelle lettre? He says, "Is it start with A?" Est-ce que ça commence par A? Anglican? Anglican? I don't think that's not it. No, je pense pas. And it goes on, he says, "How about B? Does it start with the letter B?" Ça commence avec la lettre B, peut-être? Are you a Baptist? Vous êtes Baptiste? Sounds like it, but that's not it either. It sounds exactly what I'm doing. And when I said, "C, are you Catholic?" Say, Catholic. No, man. I'm Catholic. Absolutely no pastor. Are you a disciple? Or D, are you a disciple of Christ? D, disciple of Christ. Are you Church of Christ? Église de Christ. No. Are you Jehovah's Witness? Who is that? The Témoin de Jehovah? He goes through all these letters for you. I said, "Not that. I'm not a Jehovah." No, no, pas ça non plus. He says, "Are you a L? Are you a Lutheran? The L. Who is that? Lutheran for that?" No, I'm not Lutheran. I know that. I know. He said, "Are you a M?" And you put a letter M. I said, "Are you a Methodist?" But I'm Methodist. I said, "No, I'm not a Methodist." No, c'est pas ça non plus. Comes a letter P. Alors, il arrive à la paix. He said, "Are you Presbyterian?" Il a dit, Presbyterian? That's kind of sounded like it, but I couldn't remember. Hey, and finally, he said, "Are you Pentecostal?" Alors, finalement, il a dit, and when he said Pentecostal, I said, "Yes, I'm Pentecostal." I still didn't know how to be saved, but I knew I had to be saved. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas compris comment être sauvé. Je savais parler être sauvé, mais I knew if I would die, I would go to hell. Et je savais que si je mourais, j'allais directement à l'enfer. But I didn't know what to do about it. Mais je ne savais quoi faire pour l'éviter. And I was worried about it. Et ça m'inquiétait. And so I prayed one night in my bedroom. Alors il y avait une nuit dans ma chambre. I said, "God." J'ai dit, "Oh Dieu." I don't want to go to hell. Je ne peux pas aller à l'enfer. Well, I don't know what to do about it. Mais je ne sais quoi faire. And grandpa don't talk about it. Grandma don't talk about it. Nobody talks about it. Mon grand-père ne parle pas de ça. Ma grand-mère ne parle pas de ça. Je ne connais personne qui parle de ça. And then I said, et puis j'ai dit, "God, if you let me know how to not go to hell." Seigneur, si jamais tu permets que je sais comment ne pas aller à l'enfer. I know there's a lot of people that don't know that. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ne le connaissent pas. And I will spend the rest of my life. Et je vais passer le reste de ma vie. Trying to tell people not to go to hell. Disant aux gens comment éviter l'enfer. And then I felt like crying. Et puis j'ai commencé à pleurer. I didn't know it then. Je ne le savais pas. But I know that it was God's presence. Mais maintenant, je réalise que c'était la présence de Dieu.
As a lot of boys about 10 years old, not far from where you live. Il y a beaucoup de garçons qui ont environ 10 ans qui habitent assez près de vous. That don't want to go to hell. Ils ne veulent pas aller à l'enfer non plus. And you can make a difference. Et vous pouvez faire une différence. You can help them. Vous pouvez les aider. You can lead them. Vous pouvez les amener. You can be a help to them. Vous pouvez les aider. It wasn't long after I heard that prayer. Il n'était pas longtemps après cette prière. And a man knocked on our door. Qu'un homme est venu frapper sur notre porte. 50,000 people in that city. 50 000 personnes dans cette ville-là. He knocked on our door. Mais c'était à notre porte qu'il est venu. And he said, I've come to start a United Pentecostal church in your city. Et il a dit, je suis venu à cette ville pour commencer une église pentecôtiste. It was Brother Jack Lehman. C'était Jean Lehman. And he said, maybe there's some children in this house that can come to my Sunday school. Il dit, est-ce qu'il y a des enfants dans cette maison qui aimeraient aller à l'école le dimanche? My mother said, we don't have a car. Ma mère a dit, mais nous n'avons pas de voiture. My husband will not take the kids to Sunday school. Et c'est sûr, mon mari ne va pas amener les enfants à l'église. My father drank too much alcohol. Car mon père était alcoolique. And mother knew that it wasn't going to work. Et ma mère savait que il ne devait jamais lui. But the pastor said, mais le pasteur a dit, don't worry about that. Ah, ne vous inquiétez pas pour ça. I'll come pick him up in my car. Je viendrai les faire voir qui est en train. Je les amènerai chez moi. And he came. Et il est venu. And we rode in his car to Sunday school. Et nous sommes allés dans sa voiture à l'école de dimanche. And when we got to his Sunday school, et lorsqu'il était arrivé là, he didn't have no members. Il n'avait pas de membres. He only had just a couple people. Il n'avait que quelques-uns. Well, I didn't know how many people were supposed to be in the Pentecost. Je ne savais pas combien de personnes doivent être dans l'église pentecôtiste. I just was listening. Amen. Alors j'étais là pour écouter. And he taught the Sunday school lesson. Alors il enseignait la classe du dimanche. And then he led the song service. Et puis il a animé les chants. And he preached the Sunday morning service. Et puis il a prêché le message du dimanche matin. He gave the altar call. Et puis il a donné la parole. Et puis il a prié pour tous les gens qui sont venus. Et puis il a remis nous tous dans sa voiture. Et il nous a refait. Et il a fait la première fois. Jusqu'à ce que tout le monde vienne approcher nous. He brought all ladies home. Il a pris les femmes âgées. Anybody that would come, he was bringing. N'importe quelle personne qui venait, c'était parce qu'il les a fait venir. He was a fisher of men. Il était un fisher of men. He was a fisher of men. He was a fisher of men. He was looking for himself. Alors, il était là cherchant des hommes. In this day and age we're living in, dans notre jour, a lot of people want a prophetic word. Il y a beaucoup de gens qui cherchent une parole. They want an angel to visit them. Il y a beaucoup d'anges des hommes. Some people are so stupid. Il y a des gens qui n'ont pas de sens. That they put that on their business card that they're a prophet. Il met ça sur une carte de visite. You ought to be ashamed of yourself. Alors pour moi ça c'est. You ought to be ashamed of yourself. C'est une honte. Put on a business card you're an apostle. You ought to be ashamed of yourself. Tu es un apôtre. The only people going to be saved are servants. Alors les gens qui ont changé. Jesus said, "Well done, my good and faithful servant." Jesus is looking for fishermen. Jesus, il est à la recherche de pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. You know, fishing is work. Mais tu sais, c'est difficile de pêcher. Some people. They like to catch the fish. Il y a des gens qui aiment prendre les poissons. But they don't like to put the bait on the hook. Mais ils n'aiment pas trop mettre le. They don't like to put the worm on the hook. Ils ne veulent pas trop toucher les verres. They don't like to put chicken liver on the hook. Oh, yeah. And it smells. Et vous voyez, c'est chose pour ça pue à quoi. They don't like to put squid on the hook. Ils n'aiment pas trop toucher le. Sèche. Les sèches. Amen. But you can catch no fish and no bait. Alors, il faut mettre quelque chose sur l'hameçon pour prendre les poissons. Amen. You know, we're supposed to present the bait to the fish, not the fisherman. Alors, c'est l'hameçon qui va faire les poissons. Amen. You say, hallelujah. You ain't talking about what kind of fisherman you are if you're going to catch a fish.
Alors si vous allez parler comme vous êtes une pêcheur, il faut prendre des poissons. You gotta show them the bait. Alors il faut donner la part. I mean, it's not me, the fisherman, that's important, it's the bait. C'est pas le pêcheur. And I want to tell you, the bait is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say hallelujah. I'm fishing his work. Alors, c'est beaucoup de travail de pêcher. That's sometimes why people don't win no souls. C'est pour ça que quelques-uns qui ne gagnent jamais d'âme. I mean, they don't want to work yet. Parce qu'ils ne font pas bien déposer de travail. You don't catch them. Mais si on ne travaille pas, on ne prend rien. Some churches don't grow. Il y a les églises qui ne grandissent pas. Because there's only one person fishing. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui fait le pêche. Et ça, c'est le pasteur. Ain't gonna catch all the fish with one hook. Alors, s'il n'y a qu'une personne qui fait le pêche. Every child of God in the church should be fishing. Et c'est tout le monde qui est dans le centre. Every child of God should be fishing. Alors, tout le monde doit être là pour prendre. Everybody should try to win a soul. Tout le monde doit essayer de gagner un pêche. And then we can get some fish in this thing. Hallelujah. Then we can have some people saved. If we're trying together, amen. Yeah. Let's just raise your hands and praise God. Hallelujah. 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 Amen. If Brother Lehman had not come to my city, si Pastor Lehman n'est pas venu à ma ville, if he had not come to my house, si n'est pas venu à ma maison, I came to his church at least 50 Sundays. Je dirais que je suis allé chez lui au moins 50 fois. And I still didn't know how to be saved. Et j'ai pas encore saisi comment être sauvé. But I listened. Mais j'ai écouté. And one Sunday. Et il y avait un dimanche. God touched my heart. Que Dieu a touché mon cœur. Amen. And one Sunday. Et un dimanche. I went to the altar. Je suis allé prier à l'autel. 16 years old. 16 ans, j'avais. Tears flooded my cheeks. Et larmes qui roulaient sur mon visage. Fall on my shirt. Et qui sont tombés sur mon chemise. The only other two baptized people in church besides the pastor and his wife. Il y avait deux personnes baptisées à part du pasteur et sa femme. Were 76. Ils avaient 76 ans. And I was 16. Moi, j'avais 16 ans. The old man had been stopped for speeding with his horse and buggy when he was younger. Amen. And I was only 16, I didn't stop too. Amen. It was because I was going too fast in my car, that's why they stopped. I was going worse than that that time. Amen. Praise the Lord. Everybody say hallelujah. Hallelujah. I'm saying all these things because I want you to know that there's a lot of boys in your neighborhood. Je dis tout cela parce que je voudrais que vous réalisiez, il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup de filles dans vos voisinages. That would like to be saved. Qui aimeraient être sauvés. They may not look like it right now. Peut-être ne peut pas voir cela en les regardant. But they're looking for something. Mais ils sont à la recherche de quelque chose. They want to be saved. Ils veulent être sauvés. We ought to care about it. Alors ça doit nous dire quelque chose. Amen. When Jesus calls you to follow him, lorsque Jésus vient et nous dit suis-moi, he's not inviting you to a high class job. Alors c'est pas qu'il va vous donner une carrière haute classée. He's giving you a work to do. Alors il vous donne un travail à faire. One time he said fisherman. Et quoi, very patient on pêcheur. One time he said a field worker, a farmer. Et d'autres fois il a parlé d'un fermier. I mean, those are not high class jobs. Alors, ces carrières-là, ils ne sont pas très populaires. Mais Jésus, regarde, il cherche les gens qui vont travailler comme ça. Humble. Les gens qui sont humbles. People that will follow. Les gens qui sont bien disposés de suivre. People that will try. Les gens qui sont bien disposés de suivre. People that will be tired of working when nothing happens. Les gens qui vont continuer à travailler même s'il n'y a pas grand chose qui se passe. My pastor.
Mon pasteur came to my city. Il est venu à ma ville. In June of 1965. En juin 65. In June of 1966. En juin 66. He'd been preaching and teaching faithfully, living in that city for 1 year. Ça faisait déjà une année qu'il prêchait et enseignait fidèlement. Nobody had been baptized. Il n'avait baptisé personne. Nobody had been filled with the Holy Spirit. Personne n'avait reçu le Saint-Esprit. But he didn't give up. Mais il n'est pas arrêté. You don't catch a fish the first day, you keep on fishing. Si on ne prend pas le poisson la première fois, you don't give up. On n'arrête pas. June of 67 came by. En juin 67. Still nobody had received the Holy Ghost and been baptized in Jesus' name. Et après, they say, 2 ans, toujours personne qui était baptisé, personne qui avait reçu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui s'arrêtent trop. Some people say, well, it's too hard. Il y a des gens qui disent, c'est trop dur. I mean, well, you ain't a fisherman. Alors, vous êtes pas un pêcheur. You need to know that sometimes they don't bite it right away. Vous avez besoin de savoir. But you just keep on fishing. Ça prend du temps, mais keep on preaching. You keep on teaching. You keep on having a Bible class. You keep on having Sunday school. Because had he quit, my pastor had quit after 2 years. Si mon pasteur avait laissé la ville après 2 ans, I wouldn't be saved. Alors moi je ne serais pas sauvé. It was the month of August of 1967. C'était dans le mois d'août 67. I received the Holy Ghost. J'ai reçu le Saint-Esprit. Can you say hallelujah? Hallelujah. Jesus looked for fishermen. Alors Jésus il cherche les pêcheurs d'hommes. He said, follow me. Il dit, suivez-moi. I will make you. Et je vous ferai. A fisher of men. Pêcheur d'hommes. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. I mean, had my pastor quit? Si mon pasteur avait arrêté? Before I got saved? Avant que j'ai moi j'étais sauvé? Maybe some of you wouldn't be saved. Alors peut-être parmi vous, il y a pas mal qui ne serait pas sauvé. How many people are here tonight? Combien de personnes sont ici ce soir? Qui sont baptisés par moi. Or stand up if I baptize. Mettez-vous debout si c'est moi qui vous a baptisé. If I baptize, you stand up. Si vous êtes baptisé par moi, mettez-vous debout. Hallelujah. Maybe if I would have, maybe if he would have quit fishing and quit his church, you might not be saved. Alors si cet homme avait laissé ma ville avant que j'étais sauvé, peut-être vous ne serez pas sauvé non plus. Amen. It's not the time to quit fishing. C'est pas le moment d'arrêter de faire la pêche. It's the time to keep on fishing. C'est le moment de continuer faire la pêche. A year ago, ça fait maintenant une année. I was so I could not walk. Je ne pouvais pas marcher. To go to the service of our conference. Et c'était impossible pour moi d'aller dans la première réunion de la conférence. I was couldn't walk to the bathroom in the hotel. Je ne pouvais même pas me déplacer du lit pour aller dans le cabinet. And you prayed for me at the conference. Et dans la conférence, vous avez prié pour moi. And about 7:30, I could get up and go to the bathroom. Et vers 19:30, je commençais d'aller bien, je arrivais de me mettre le bout. I took my Bible and I began to read the Bible. J'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire. And God said to me. Et Dieu m'a parlé. Take the gospel to every village in Martinique. Il a dit, prends l'évangile à toutes les villes de la Martinique. I've been there many years. Alors j'étais là déjà depuis très longtemps. Our church distributes right about 25,000 tracts a year. Et notre église donne peut-être 25 000 traités chaque année. And I began to realize that there were villages and I'd never given out even one gospel tract. Mais j'ai commencé à réaliser qu'il y avait les villages où moi je n'étais pas venu avec mes traités. Even though I lived there many years. Même que j'étais là depuis longtemps. I felt God talk to me. Alors j'ai senti que le Seigneur m'a parlé. My wife got home from service that night. Et lorsque ma femme est arrivée après la réunion, I said, I feel God talk to me. J'ai dit à elle, je crois bien que Dieu m'a parlé ce soir. He told me to take the gospel to every village in Martinique. Il m'a dit de prendre l'évangile à toutes les villages de Martinique. Hallelujah. And on August 1st, I was praying. That was the end of August. July, August 1st, I was praying. Alors le premier août, j'étais dans ma prière.
And I said, God, it's Saturday night, I need something to preach tomorrow morning. What do you want me to preach about? Et j'ai dit, Seigneur, c'est samedi soir, pour prêcher demain matin, qu'est-ce que tu voudrais que moi je prêche? And God said, et Dieu a dit, preach about the faithfulness of Noah. Prêche au sujet de Noé, sa fidélité. So I took this blackboard on Sunday morning. Alors j'ai pris le microphone le dimanche matin. I had no idea what I was going to write on it. Je ne savais pas ce que j'allais écrire. And I started writing. Et j'ai commencé à l'écrire. And I wrote Operation Noah. Et ce que j'ai écrit, c'était Opération Noé. An operation. Une opération. I helped try to save people. Alors qui est là pour aider les gens. Coming to the boat before it's too late. Alors, ne t'en parle pas de ça, mon père. Jesus is searching for souls. Parce que Jésus est allé chercher les gens. World is too sick for medicine. Alors, le monde est trop malade. The world needs an operation. Hallelujah. Et la personne est une opération. And so I invited the church and said, next Saturday, whoever wants to go with me, we're going to go to a city in Martinique that we haven't given tracts to. Et alors j'ai invité l'église, tous ceux qui voulaient venir, de venir le samedi pour distribuer avec moi les traités dans une ville où nous n'étions pas. That Saturday afternoon, we had 12 men. Alors il y avait 12 hommes. And 6 sisters. 6 ladies. Et 6 femmes qui sont venues. And we went to Robert. Et nous sommes allés à Robert. Robert is the name of the English. And so we went to that city. We said, let's start over there. Nous sommes allés à cette ville et on a dit, mais laissez nous commencer par là. Some of the ladies that are here. Alors, quelques-uns parmi les femmes qui sont ici. Nous sommes donné un traité à un jeune homme. Talked him for about an hour. Il a parlé avec ce jeune homme pour peut-être un an. That was the first person to give a tract. Ça, c'était le premier traité qui était donné ce jour-là. And he listened. Et cet homme, il a écouté. After about an hour. Après peut-être une heure. He said, I think God sent you here today. Il a dit, je crois que Dieu vous a envoyé aujourd'hui. Because I was going to kill myself. Parce que j'avais l'intention de me suicider. There's a lot of people you can save if you have a chance. If you give a chance. Vous voyez, il est à ma sauver. Si à terminé à tuer. He come to church from time to time. Alors, il vient toujours à l'église de temps en temps. But you're not yet baptized. Il n'est pas encore baptisé. I'm a new reunited, you got the Holy Ghost. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. But we're still fishing for it. Hallelujah. Il y avait quelques-uns qui ont laissé le Seigneur. One of the last words that Jesus said to Peter. Parmi les dernières paroles que Jésus a dit à Pierre. Was almost like the first words he said to C'était très semblable au premier mot qu'il a dit. He said, when you were young. Il a dit, quand tu étais jeune. Dress yourself and take care of yourself. Alors, go where you want to go. Tu pouvais t'habiller, tu pouvais aller là où tu voudrais. Days coming, you're going to be old.
Mais le jour vient où tu seras vieux. Somebody will take you where you don't want to go. Et quelqu'un va te mener là où tu ne veux pas aller. And John wrote. Et Jean a écrit. He spoke this of the manner of death that Peter was in. Que Jésus parlait de la mort que Pierre allait subir. And then he said. Et puis il a dit encore. He said, follow me. Follow me. One. Follow me in fishing. Follow me. Follow me in death. Suis-moi, même dans la mort. Follow me all the way. Suis-moi jusqu'à la fin. No, don't stop. N'arrêtez pas. Follow me all the way. I wonder tonight if there's some people that decided to follow Jesus all the way. Je me demande s'il y a quelques-uns qui ont décidé de suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Toute la distance. I mean, tonight, I know that there's perhaps someone here that does not yet know the Lord. You've not been baptized in Jesus' name. You've not received the Holy Ghost. This service is for you. Ce soir, peut-être que quelques-uns ici qui ne sont pas encore remplis avec le Saint-Esprit. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore baptisé au nom de Jésus. Mais cette réunion est pour vous. Ce n'est pas par chance que vous êtes ici ce soir. C'est la volonté de Dieu que vous êtes ici. Alléluia. And it's not just by chance that you're here tonight. God has brought you. God has brought you. He said, follow me.